Avant de démarrer, avant de lui laisser la parole, je vais vous signaler tout de même la prochaine conférence de l'Académie qui est organisée à la médiathèque José Cabanis, qui a lieu le 28 février. Et moi, je n'ai rien. Allô ? Dont le thème est le premier test de déviation d'astéroïdes avec les missions DART et HERA. Cette conférence sera présentée par le docteur Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS. Donc, je pense que vous en avez entendu parler avec déjà des mesures d'effet sur les vitesses de rotation de l'astéroïde, montrant qu'effectivement, on a eu une impulsion, on a eu un effet, et des recherches sont en cours. Voilà. Bon, maintenant, il me reste qu'à vous présenter M. Bonini, notre orateur de ce soir. Donc, Jérôme Bonini est directeur de recherche et technologie de Safran Aircraft Engines, donc l'ancien Snegma, depuis 2017. Il est titulaire d'un doctorat de l'ENSAM en 1995, d'un post-doctorat du CEA. Il a rejoint le bureau d'études de la Snegma en 1997, dont il est devenu le chef de département méthode en 2003. En 2006, il est chef du département des essais en vol et directeur d'établissement d'Istres, où sont réalisés des essais en vol du M88, qui motorise les avions d'assaut, du SAM-146, ainsi que les essais de certification du TP-400, qui est le moteur de la 400M, pour ceux qui ne le savent pas. En 2010, il est nommé ingénieur en chef des moteurs d'avion d'armes, où il pilote le développement de la dernière version du M88, donc, comme je l'ai dit, des avions de chasse d'assaut, actuellement en service. En 2014, il devient directeur au bureau d'études d'intégration des systèmes propulsifs, c'est-à-dire c'est le poste qui est directement en interface avec les avionneurs, dont j'ai pu être dans une partie de ma carrière et avec mes successeurs et de même avec les autres avionneurs, bien entendu. Alors là, il est en charge des avant-projets, de la conception d'ensemble du moteur intégré à l'avion, pour ce faire. Et là, en particulier, il a participé au développement du moteur LIP, dont on connaît le succès d'intégration dans de multiples applications, au moins quatre bien connues. Et puis, en 2017, il coordonne en tant que directeur de la R&T le futur des moteurs avions civils, donc de Safran et sur les moteurs civils, donc les Open Rotor, Rise, Silvercrest et même les militaires. Voilà, donc maintenant je vais céder la parole à M. Bonini qui va nous parler de ce brillant moteur qui devrait nous permettre de franchir une nouvelle étape sur les économies d'énergie sur les avions du futur. Jérôme, la parole est à vous. Merci beaucoup Alain Garcia et bonjour à tous. Donc je vais, voilà, dans cette journée de grève, avoir le plaisir de vous parler via l'écran interposé et pas en direct depuis Toulouse. Voilà, néanmoins, je vais vous présenter le futur, notre vision côté Safran du futur des moteurs d'avion, en particulier aujourd'hui des avions commerciaux, donc ce qui feront le remplacement des Airbus, de la famille Airbus A320 et Boeing 737 à l'horizon 2035. Donc vous avez sur cette première planche une vue d'artiste, vue de Safran, voilà, qui pourrait être ce futur moteur. Donc, pour commencer, je vais vous passer un petit film justement qui présente ce programme RISE. Alors, l'ensemble de mes planches sont en anglais parce que c'est la convention aujourd'hui dans notre société. On parle en français, mais on a toutes nos planches en anglais. Désolé pour ça, je n'ai pas fait l'effort de les traduire toutes en français. Donc, le petit film qui va suivre est un film en anglais. Et on rentrera dans les détails du pourquoi de ce programme. Donc voilà, on commence par le petit film.
It is about time we do even more against climate change. Climate is an absolute priority, and our priority is to help keeping the rise in temperature to below 2 degrees Celsius. With millions of passengers flying every day, the civil aviation industry still grows and contributes for less than 3% of worldwide global carbon emissions. So, what do we do now? At CFM International, over the past 4 decades, we have been tackling a major challenge, a collective challenge, the carbon neutrality of aviation. From the game-changing CFM56 family through the new generation LEAP engines, we have significantly improved fuel efficiency and lowered CO2, NOx and noise emissions. However, to reduce emissions even more, our ambition is to do more. With radical new propulsion technologies and advanced materials, we invest, we accelerate innovation to develop the future generation of engines compatible with 100% sustainable aviation fuel, hybrid electric, electric systems, and hydrogen. Every stage, we are committed to fulfill our responsibilities to our clients, for the people, and for our planet while we fly. Time. It's time to rise. Voilà, donc on va maintenant rentrer dans le détail de tout ce qui constitue ce film en expliquant le pourquoi on est arrivé justement à un moteur en rupture de ce type. Alors, pour commencer, je commence toujours par quelques planches institutionnelles un peu sur notre société. Donc, Safran, une société qui est quand même bien connue dans le monde de l'aéronautique aujourd'hui. On a 5 business principaux, dont le business de la propulsion aérospatiale, mais on a aussi des équipements d'avions, des intérieurs d'avions, actifs dans la défense et l'espace. Nous sommes la société numéro 3 mondiale aujourd'hui, en dehors des avionneurs, dans le domaine de l'aérospace. Et nous sommes présents dans 27 pays, 77 000 employés en croissance constante en ce moment, un petit peu moins qu'avant le Covid. On était 90 000, mais on retrouve doucement le niveau que nous avions avant la crise. Ce qui est important sur cette planche par rapport à la partie R&T, c'est le fait que sur les 15 milliards de chiffre d'affaires que nous faisons annuellement, nous consacrons 75% de notre budget R&T sur l'environnement, et en R&D, ça représente à peu près 1,43 milliard d'euros par an dans la partie développement de nouveaux produits. Et nous produisons beaucoup de brevets, donc plus de 1100 brevets l'année dernière. Nous sommes au premier rang français aujourd'hui de la production de brevets. Donc, pour passer rapidement, donc ça c'est une illustration qui montre à peu près là où nous sommes présents, Safran, sur l'avion et l'ensemble des équipements que nous réalisons. Donc celui qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le moteur en particulier. Donc moteur qui est au centre, et puis autour du moteur, ça nacelle. Donc je passe assez rapidement sur ces planches un petit peu institutionnelles. On va s'intéresser donc à la propulsion. Donc la propulsion chez Safran, c'est un spectre très large qui va de la propulsion satellite avec quelques centaines de newtons de poussée jusqu'à la propulsion spatiale, cette fois-ci très lourde, avec des moteurs d'Ariane. Et entre les deux, on trouve toute la gamme des moteurs d'hélicoptères, moteurs d'avions d'armes, les moteurs d'avions de transport militaire jusqu'au court, moyen, long courrier,
Donc ces moteurs-là sont faits en part, tout pour certains ou en partie collaboration pour d'autres avec d'autres partenaires motoristes. Et donc c'est le cas de la famille qui va nous préoccuper aujourd'hui, donc la famille des courts moyens courriers qui est réalisée en partenariat avec General Electric au sein de notre joint venture qui s'appelle CFM. Donc pourquoi maintenant aller sur des ruptures en termes de propulsion? Alors, c'est pour répondre à une problématique environnementale, problématique que vous connaissez tous, on ne va pas forcément la rappeler fortement aujourd'hui, mais qui est orientée sur la contribution de l'aérien au réchauffement climatique. Donc on parle beaucoup d'émissions de CO2, mais bon, on rappelle assez souvent que les transports ne représentent que autour de 24 à 25% des émissions de CO2 mondiales, que dans les transports, l'aviation, c'est 12%, et ça représente moins de 3% des émissions mondiales de CO2. Donc, ça, bon, si c'est le chiffre relativement faible en pourcentage, c'est quand même 2,3 millions de tonnes par jour. Donc, c'est quand même, ça reste important, il faut s'en préoccuper. Et on a le CO2, mais on a également d'autres effets que le CO2. Donc, on a les oxydes d'azote, donc on appelle les NOx. On a la vapeur d'eau qui est présente principalement autour des traînées de condensation que l'on voit derrière l'avion. Donc, on a un certain nombre d'autres facteurs que le CO2 qui peuvent contribuer au réchauffement climatique. Beaucoup de modèles sont en cours d'études aujourd'hui pour savoir quels sont les effets de ces émissions. Certaines peuvent être positives, d'autres peuvent être négatives. Ça dépend de l'altitude, ça dépend des conditions météo. Donc, on a un certain nombre de travaux également à faire sur l'effet de ces émissions. Néanmoins, l'objectif est de les réduire au maximum de ce que l'on peut, de façon à préserver le futur de notre planète et d'avoir un enjeu de décarbonation qui est aujourd'hui assumé et de dépollution globale assumée de l'aviation. Donc, on regarde évidemment, quand on parle environnement, l'ensemble du cycle de vie d'un produit, et pas de l'extraction des matériaux, de la partie fabrication, de l'assemblage, de la distribution du produit, de l'utilisation et de sa fin de vie, de façon à ne pas avoir une approche trop ciblée où on pourrait être bon sur l'utilisation, mais avec des matériaux rares, ou au contraire avoir beaucoup d'utilisation et avec une utilisation qui serait un peu plus difficile, mais avec des matériaux qui ne posent pas trop de problèmes. Donc, on regarde un petit peu l'ensemble de ce cycle de vie pour essayer de trouver une réponse globale au problème. Néanmoins, pour tout ce qui concerne l'aviation, sur ce cycle de vie, 95% des gaz à effet de serre sont émis pendant l'utilisation des produits. On n'a simplement que 5% qui sont dans les autres phases d'élaboration du produit. Donc, on va se concentrer aujourd'hui majoritairement sur l'utilisation quand même de nos moteurs d'avion, qui sont une des causes premières des émissions, effectivement, de l'aéronautique. Donc, comment arriver à résoudre ce problème-là? Donc, on peut avoir une approche un petit peu brutale en disant qu'on a une augmentation des besoins qui croît d'année en année. On avait des modèles avant la crise Covid qui étaient autour de 3 à 4% d'augmentation du trafic par an. Et donc, si on ne change rien, après le Covid, on va retrouver des besoins qui vont nous amener à nouveau à une croissance à 3 à 4% et de ce fait-là, une augmentation sensible des émissions de CO2. Donc, on pourrait très bien imaginer réduire notre besoin et avoir un peu moins de vol et un peu moins d'utilisation de l'avion pour arriver à satisfaire notre trajectoire de réchauffement maximum inférieur à 2 degrés. Si on analyse un petit peu plus et prendre des décisions de restriction de l'utilisation de l'avion, si on regarde un petit peu la courbe de droite, on se rend compte que ce n'est pas forcément sur les vols que l'on interdit aujourd'hui que l'on consomme le plus. Là où on consomme le plus, c'est surtout sur les vols long courrier. Donc on a ça qui représente des vols relativement qui ont peu de vols quelque part par rapport à l'ensemble des vols. On a 10% des vols qui font plus de 3000 km et c'est là que l'on émet plus de 50% de CO2. Et 1% des vols, plus de 8000 km, et on émet là 20% de CO2. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative réelle au transport aérien. On ne peut pas mettre en place le train.
Le train, grande vitesse, qui pourrait représenter une alternative, sont là pour des vols de 500 km, qui représentent relativement peu, beaucoup de vols, quelque part, qui pourraient être 30% des vols, mais qui n'émettent en tout que 5% de CO2. Donc, si on interdisait l'ensemble de ces vols-là dans toute la planète, on ne concernerait que 5% des émissions de CO2. Donc, néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'on ne doit rien faire, on ne doit pas travailler notre impact sur l'environnement, mais il faut trouver les bons moyens de le faire. Donc, au niveau de l'ensemble de la profession aéronautique, donc, nous sommes engagés à avoir une aviation neutre en carbone à horizon 2050. Et donc, la courbe qui apparaît à l'écran là, et pourrait être trouvée chez à peu près tous les constructeurs aujourd'hui de moteurs ou d'avions, qui présentent à peu près toutes la même. Alors, les pourcentages de contribution peuvent légèrement varier, mais on a à peu près tous la même logique. C'est-à-dire que pour arriver à l'ambition d'être neutre en carbone en 2050, on doit avoir une approche en plusieurs facteurs. La première, c'est travailler un avion qui serait ultra efficace, ultra performant et qui apporterait au moins 30 à 40% de réduction de ses émissions de CO2 à horizon 2050. La régulation du trafic aérien, son optimisation, amènerait entre 5 et 10%. Et on a besoin également de travailler des carburants durables qui représenteraient autour de 50% de la contribution et il resterait 5 à 10% qui seraient en compensation au travers de captation de carbone pour arriver à l'objectif de zéro émission en 2050, enfin zéro émission nette. C'est-à-dire qu'on ne met pas plus de CO2 dans l'atmosphère que ceux qui n'existent déjà. Et voilà, la courbe telle qu'on la voit ici nous dit que voilà, si on cumule l'ensemble de ces effets et qu'on commence maintenant, à partir de 2035, on pourrait commencer à décroître en termes d'ambition tout en ayant une augmentation du trafic aérien qui correspond à la demande globale aujourd'hui. Donc, on pense que pouvoir augmenter le trafic avec des émissions raisonnées qui tendent vers zéro en net en 2050, c'est possible. Donc ça, c'est pour la partie court, moyen, long courrier, pour tout ce qui va être mobilité plus petite, donc du commuteur jusqu'à l'aviation générale, on va pousser au maximum la propulsion électrique, hybride pour commencer, pourquoi pas 100% électrique dans un horizon relativement bref. Donc, pour pouvoir comprendre un petit peu ces progrès potentiels sur les moteurs d'avion, il faut revenir un petit peu sur ce qu'est un moteur d'avion et comment ça marche. Donc, un moteur d'avion, ça fait la poussée d'un avion. Donc ça, je pense que tout le monde à peu près l'a en tête. Ça fait la poussée qui propulse l'avion, ça fait également de la contre-poussée à l'atterrissage pour le freiner. Mais ça ne fait pas que ça. Le moteur d'avion, c'est une centrale d'énergie pour l'avion. Donc, ça génère l'énergie électrique, l'énergie hydraulique, et ça génère également l'ensemble de l'air sous pression qui vient dans la cabine. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Il faut continuer à satisfaire l'ensemble de ses besoins. Donc là, sur cette graphe-là, on montre un petit peu, comparé à une voiture, quelques chiffres qui permettent de comparer un moteur d'avion à un moteur de voiture. Donc, moteur de voiture, c'est à peu près, pour 100 chevaux, une masse de 100 kg à peu près et une durée de vie qui fait à peu près 200 000 km. Si on compare aux avions de chasse, on est à 1,5 kg pour 100 chevaux et une puissance qui va être à 53 000 chevaux. Donc, on a beaucoup plus de puissance à un poids qui est beaucoup plus faible. Si on prend un Airbus A320, on va se retrouver dans une catégorie qui va être de 3,6 kg sur 100 chevaux pour 32 000 chevaux. Mais une durée de vie qui va être beaucoup plus importante, on va parcourir 21 millions de kilomètres. Là, une voiture, on parcourt 200 000. Donc, c'est pour un petit peu donner quelques chiffres et quelques ordres de grandeur pour voir qu'un moteur, voilà, ça a une certaine performance, on attend des choses de lui. Et donc, on doit prendre l'ensemble de ces spécifications pour arriver à progresser.
Donc, quelques différences également sur l'utilisation entre un moteur d'avion de combat et un avion de ligne classique. Hein. Le domaine de vol et ce qu'on attend du moteur est complètement différent. Et donc, évidemment, un avion, aujourd'hui, on considère que les avions de ligne sont subsoniques, là où un avion de combat est supersonique. Le plafond est plus bas et voilà, évidemment, on va éviter de faire des cabrioles avec. Et donc, on va rester sur les avions de ligne, sur des utilisations relativement classiques où on décolle, on monte, on a une croisière, on descend, on approche et on se pose. Alors, comment ça marche un moteur ? Donc, ça marche de la même façon qu'un ballon de baudruche que l'on gonfle et dans lequel on va ensuite ouvrir, comme le montre l'image, la pince à linge et qui va se vider de son air et le fait de se vider de son air va le faire avancer. Donc, en fait, en gonflant le ballon, on a un volume d'air qui est à l'intérieur, qui, lorsque le ballon est fermé, est à une vitesse nulle. Et on va, en ouvrant le ballon, créer une différence de vitesse avec l'air qui va passer de l'intérieur du ballon, qui est sous pression à l'intérieur du ballon, qui va s'éjecter à l'extérieur. Et ce débit d'air multiplié par la différence de vitesse va faire une poussée qui va amener le ballon à avancer. Alors, évidemment, quand il n'y a plus d'air à l'intérieur du ballon, le ballon n'avance plus. Donc, sur le moteur d'avion, il fonctionne à peu près de la même façon. Donc, on va prendre une quantité d'air à l'entrée du moteur et l'objectif, ça va être accélérer cette quantité d'air. Donc, pour accélérer cette quantité d'air, qu'est-ce que l'on fait ? On va commencer par, et donc c'est le petit schéma qui est en bas à droite, on va commencer par comprimer cet air à l'avant du moteur. On va ensuite le faire entrer dans une chambre de combustion où on va injecter du carburant. Le carburant va brûler. On va générer des gaz en détente rapide qui vont passer dans des turbines. Les turbines sont là pour entraîner le compresseur qui est à l'avant. Et on va ainsi, cette débit d'air qui va rentrer, il va sortir du moteur avec une vitesse qui va être accélérée par les gaz en détente rapide. Et c'est comme pour le ballon de baudruche, la multiplication de ce débit d'air qui rentre, multiplié par la différence de vitesse de l'air à l'entrée et à la sortie du moteur, qui fait la poussée. Donc voilà, donc c'est relativement, enfin, le principe est relativement simple. Maintenant, pour arriver à bien le faire fonctionner, on comprime assez fortement l'air et donc on va le chauffer fort. Et donc, il va falloir trouver un bon compromis entre pression, température pour arriver à un bon fonctionnement. Donc, il y a deux façons de concevoir des moteurs et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, la première famille, la famille de gauche, qui est la famille des avions de combat, des moteurs d'avions de combat, on prend un petit débit d'air que l'on va accélérer très fortement. Et donc là, ça permet d'avoir des moteurs compacts, donc on peut plus facilement intégrer à l'avion. Et donc, ça permet de faire des vols supersoniques, d'avoir une bonne opérabilité, donc une bonne réaction de la manette à la demande du pilote, et de couvrir un domaine de vol beaucoup plus large, avec un bon rapport poids-poussée. Donc là, on va jouer d'abord sur la température pour pouvoir arriver à monter en performance ces moteurs-là. Sur la partie droite, ce qu'on choisit plutôt pour les moteurs civils, on va prendre plutôt des moteurs avec un grand débit d'air et on va avoir du coup besoin d'avoir une accélération plus basse de la vitesse. Donc l'avantage de cette technologie-là, c'est que ça permet de réduire sensiblement la consommation de carburant du moteur. Ça permet d'avoir également une meilleure acoustique et des émissions plus faibles. On va jouer pas uniquement que sur la température à l'intérieur du moteur, donc ce qu'on appelle le rendement du corps haute pression, mais on va jouer également sur le rendement de l'hélice qui est à l'avant du moteur, qui est carénée dans le cas des moteurs d'aujourd'hui, et donc on appelle les rendements propulsifs. Donc, on a la combinaison de deux rendements, et c'est cette combinaison des deux rendements qui nous fait réduire sensiblement la consommation. L'inconvénient, c'est qu'on a du coup un diamètre du moteur qui est beaucoup plus grand que sur les moteurs d'avions de combat, et donc on ne peut l'utiliser aujourd'hui que sur des avions commerciaux. Et ça, c'est beaucoup moins, évidemment, possible de monter en vitesse supersonique avec ce type de moteur. Donc, d'un point de vue historique, pour pouvoir voir quand est-ce que cette séparation s'est faite, les turboréacteurs ont commencé à être étudiés dans les années 20-30. Donc, les premiers brevets datent à peu près de cette époque-là. Premier test dans les années 30 avec Frank Whittle. Dans les années 40, le premier turboréacteur a été testé sur un avion militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, côté allemand. Et c'est que dans les années 50 qu'on a une utilisation
quelque part série, à la fois sur les premiers avions militaires et sur les premiers avions de ligne, donc le Comet, qui a été le premier avion de ligne à avoir un moteur à réaction, mais ce sont le même moteur qui servait pour les deux applications. Cette logique a continué dans les années 60, où on a généralisé l'utilisation des turboréacteurs pour les avions de combat et également pour les avions de ligne, avec un double usage de manière assez systématique. Un moteur d'avion militaire était utilisé quasiment tel que dans un avion de ligne. C'était le cas de la Caravelle, ça a été le cas du Boeing 707, où ce sont des applications, voilà, des moteurs militaires que l'on retrouvait en lieu et place sous l'aile plutôt que très intégrés dans l'avion pour les avions de combat. C'est que dans les années, donc à la fin des années 60, qu'on commençait à faire une séparation entre les familles des moteurs militaires et des moteurs civils. Donc sur les moteurs civils ont continué à être dérivés des moteurs militaires en termes de conception pour les applications supersoniques, donc le Concorde avec l'Olympus qui est un gros moteur d'esprit militaire. Et on a continué à développer ces moteurs militaires. Je vais faire juste un peu, avant de revenir sur les moteurs civils, une petite incursion sur les moteurs militaires, parce qu'ils sont relativement importants, parce que ces moteurs militaires continuent à être le fer de lance, c'est ce qui nous permet de développer le cœur du moteur, les technologies du cœur du réacteur. Donc c'est grâce aux militaires qu'on arrive à faire des moteurs civils performants aujourd'hui et demain. Donc, Qu'est-ce qu'on a fait sur ces moteurs militaires? Donc, dans les années 80, on a continué à les optimiser, à avoir des moteurs qui augmentaient leur poussée, mais avec des grands ratios poussée-poids. Et pour ça, il a fallu augmenter significativement les températures. Donc, on est allé des températures qui montaient de 1800 degrés Kelvin jusqu'à plus de 2000 degrés Kelvin dans le cas des applications américaines. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du moteur pour avoir justement cette haute performance? On va avoir des compresseurs compacts, donc qui compriment beaucoup dans un encombrement faible. On va avoir des chambres de combustion qui vont devoir économiser leur carburant au maximum. On va avoir ensuite des turbines haute pression qui vont fonctionner à très haute température et qui vont devoir être refroidies en permanence, en interne et en externe. Donc pour ça, on prélève de l'air sur le compresseur à autour de 800 degrés Kelvin, entre 800 et 900, et on va ensuite l'injecter à l'intérieur de cet aubage pour le refroidir à l'intérieur et à l'extérieur. On a également des matériaux très avancés, ce sont des monocristaux pour les aubes, et pour les disques qui les soutiennent, on a également des alliages très haute performance qui sont réalisés en métallurgie des poudres. Et donc ce sont ces technologies-là qui nous permettent, par la montée en température, de pousser au maximum la performance des moteurs. Et donc, c'est le militaire qui tire cette technologie-là pour l'ensemble des applications, toujours aujourd'hui encore pour les applications civiles. Dans le futur, le militaire va travailler ce que l'on appelle des cycles variables. Donc, ils vont faire varier un certain nombre de choses. Donc, ils vont avoir un flux supplémentaire autour du moteur qui va pouvoir concentrer le débit d'air vers le corps HP pour pouvoir faire de la poussée ou le diluer davantage pour faire de la performance. Et peut-être que demain, on trouvera ce type d'état d'esprit quelque part aussi en termes d'architecture sur les moteurs civils. Donc, on ne va pas passer là-dessus, mais c'est la suite quelque part avec le futur de l'avion de combat. Et ce futur des moteurs d'avions de combat pourrait éventuellement se retrouver, pourquoi pas, demain, dans des applications supersoniques. Donc, Boom travaille la question. Il y a des démonstrateurs côté NASA pour lesquels on pourrait avoir à nouveau ces futurs des moteurs militaires se retrouver sur des applications civiles. Mais ce n'est pas ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. On va plutôt revenir sur les moteurs militaires pour lesquels on va avoir un fort taux de dilution. Donc, le premier moteur en question, c'était le CF6, développé par le General Electric dans les années 60 pour des longs courriers, avec un taux de dilution qui est à 8 et une poussée qui est entre 40 et 70 000 livres. Et donc, c'est le premier à avoir ouvert un petit peu la voie de ce type de moteur.
Mais le best-seller dans les années 70, c'était le moteur Pratt & Whitney, donc le JT8D, qui a équipé des moteurs, les avions 737, le Mercure de Dassault, le MD-80 de McDonnell Douglas, mais qui était un dérivé d'un avion militaire, qui était l'Intruder. Déjà, il y avait une première augmentation sur ces moteurs-là, même s'ils ressemblaient beaucoup dans l'esprit d'architecture à un moteur militaire. Une augmentation du taux de dilution, on était à 1,7, alors que ces moteurs militaires, on est plutôt classiquement inférieur à 0,5. Donc, le taux de dilution, je ne l'ai pas dit, mais c'est le rapport de l'air qui passe entre le flux primaire qui va dans le cœur de pression du moteur et le flux secondaire qui passe autour du réacteur, donc que l'on voit ici, si vous suivez ma flèche, là, qui est ici. Et donc, ce moteur-là, en augmentant un petit peu son taux de dilution, il avait permis déjà à l'époque de réduire de 19% la consommation de carburant et donc les émissions de CO2. Et c'est dans les années 80 qu'est venue une révolution, donc avec le CFM56, moteur en partenariat donc entre SNECMA et GE. À partir d'un corps haute pression militaire, on a mis des parties basse pression à l'avant et à l'arrière qui étaient complètement différentes, complètement nouvelles. Et on a monté le taux de dilution à 6 pour des moteurs de la classe 20 à 30 000 livres de poussée. Et ça nous a permis de faire un gain significatif de 27% de consommation carburant et donc d'émissions CO2, mais également un gain significatif en termes d'acoustique, puisqu'on a gagné 20 décibels par rapport à la génération précédente avec cette famille de réacteurs. On a poursuivi dans les années 2010 avec le moteur LEAP, en introduisant encore une augmentation du taux de dilution, puisque là on est passé à 10, le taux de dilution. Ça fait que la poussée est à plus de 85% est faite par le fan qui est à l'avant du moteur. Le fan qui donc s'élargit, on a des moteurs qui font 2 mètres de diamètre, là il faisait 1,70 m pour le CFM56. On a développé de ce fait des nouvelles technologies avec des aubes composites pour alléger le moteur, puisqu'on avait un diamètre plus grand, et donc des vitesses qui augmentaient, il fallait alléger au maximum le moteur tout en ayant une bonne tenue. Et donc, 15% de réduction de consommation supplémentaire et encore un gain significatif en acoustique, puisqu'on a gagné à nouveau 25 décibels sur cette génération, qui est rentrée en service en 2016, donc qui est assez récente, et qui équipe aussi bien la famille Airbus A320neo que les Boeing 737 MAX, et dernièrement le Comac C919 qui vient d'être certifié. En parallèle, notre concurrent Pratt & Whitney a développé un moteur à réducteur pour cette famille d'avions également, donc qui équipe également la famille Airbus A320neo. Donc un réducteur, l'idée est d'avoir une vitesse de fonctionnement de la turbine basse pression qui est à l'arrière du moteur différente de celle du fan. Donc d'avoir une turbine qui va tourner vite, avoir un réducteur qui va réduire sa vitesse à l'avant et qui va permettre au fan de tourner plus lentement. Donc, ils ont augmenté le taux de dilution avec cette technologie. Donc, il passe à 12, un moteur qui fait 2,25 m de diamètre. Les gains de consommation sont du même ordre de grandeur que ceux du LEAP aujourd'hui. Il n'y a pas eu de gains significatifs, mais c'était la première génération réalisée par Pratt & Whitney de ce moteur à réducteur. Mais ils ouvrent quelque part une génération différente, une architecture différente. Donc, en résumé, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc on a fait des gains très significatifs déjà de carburant. Donc, par rapport aux années 60, on a gagné 50%, on a réduit de moitié nos émissions de CO2 et donc de consommation de carburant. On a réduit de 45 décibels l'acoustique, ce qui fait que l'empreinte acoustique des années 60 et aujourd'hui est complètement différente autour d'un aéroport. Et on a réduit également les oxydes d'azote de manière très significative, de l'ordre de 85% depuis les années 70. Donc, des gains très importants réalisés. Et donc, toute la question maintenant, c'est de savoir comment on peut aller encore plus loin que ce qui a déjà été fait depuis 50 ans sur ces moteurs à réaction. Donc, on va considérer les moteurs civils, donc avec deux rendements, comme je disais tout à l'heure, le rendement du corps haute pression, là où on est très chaud,
On va utiliser au maximum la performance, les températures élevées du moteur et le rendement propulsif de l'hélice qui est à l'avant du moteur et qui tourne et pour lequel le gain se fait par augmentation du taux de dilution. Et donc, on voit sur le graphe à gauche que augmenter le rendement du cœur haute pression est de plus en plus difficile. Si on trace là tous les moteurs que l'on a aujourd'hui développé depuis une cinquantaine d'années, on voit qu'il est de plus en plus dur de monter sur le rendement du corps. Et donc, on a tendance à augmenter le taux de dilution pour aller vers la partie droite. Mais jusqu'où peut-on augmenter le taux de dilution et est-ce qu'on ne peut pas à un moment être freiné? Alors, pourquoi il est difficile d'augmenter le rendement du cœur? C'est parce qu'on augmente les températures en augmentant le rendement du cœur et qu'il faut prélever de l'air pour pouvoir refroidir en permanence les parties très chaudes du moteur. Et quand on prélève de l'air, cet air, il n'est pas utile pour le rendement global de la machine. Il ne sert uniquement qu'à ventiler la turbine. Donc, c'est un air qui ne travaille pas. C'est un air, donc, du coup, qui est uniquement là pour faire en sorte que le système fonctionne. Et donc, il faut trouver le bon compromis entre l'air que l'on prélève, la température de fonctionnement et donc le rendement du corps. Donc, comment aller plus loin et qu'est-ce que l'on peut faire? Et donc, c'est là qu'on a commencé à chercher. Et donc, on a regardé quels étaient les leviers qui nous permettaient de... Et donc, les gains et les pénalités qui étaient liés à l'augmentation de ce taux de dilution. Et donc, on a empilé quelque part les différentes pertes et on s'aperçoit que si on considère le moteur seul, on a, et donc c'est la courbe rouge, on a des pertes qui font que quelque part on arriverait sur un plateau, on pourrait monter jusqu'à un BPR autour de 30 et après c'est relativement plat. Et quand on prend le moteur avec sa nacelle autour, quand on met l'ensemble des capots autour du moteur, on s'aperçoit que l'optimum, il se décale parce qu'on a un effet masse et traînée de cette nacelle qui fait que l'optimum, qui était plutôt autour de 30 sans la nacelle, se déplace plutôt entre 15 et 20, mais avec un relatif plat à partir d'un taux de dilution autour de 15. Alors, on a encore du progrès à faire par rapport à la génération que l'on a aujourd'hui, hein, mais on voit qu'on va être assez rapidement limité. Et quand on va passer autour des taux de dilution de 12-13, il va falloir un moteur qui intègre une gearbox, que l'on appelle, donc une boîte de réduction à l'avant du moteur, comme le moteur de Pratt & Whitney. Donc, il faudra changer un petit peu l'architecture du moteur, donc aller vers cette boîte de réduction. Alors, c'est quelque chose que nous avons regardé, qu'on a essayé. On a développé l'ensemble des composants qui permettaient, côté Safran et CFM, de faire ce type d'architecture de moteur à réducteur en montant un BPR qui était le BPR optimum que j'ai montré sur la courbe d'avant, qui était autour de 16. Et donc, nous avons aujourd'hui donc, toutes les technologies qui nous permettent de le faire. On n'a pas... Voilà, on a regardé ensuite l'intégration de ces moteurs à fort BPR à l'avion. Et donc, quand on regarde avec les effets d'installation, on avait un optimum. Quand on parle d'effet d'installation, c'est la masse du moteur sous l'aile, les effets de train d'atterrissage qui s'allongent, le positionnement au niveau du pylône, qui peut faire un effet boule de neige au niveau de l'avion en termes de renforcement des structures. Et du coup, l'optimum se décalait et on était plutôt effectivement de 15 à 20. On passait à un optimum qui était autour de 14 à 16, donc relativement faible et avec des gains du coup qui étaient assez limités potentiellement par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui en termes de consommation carburant. Alors, ça demandait également potentiellement de travailler l'aile, donc d'avoir des nouvelles formes d'aile. Alors, ce sont des formes qui sont travaillées aussi bien côté Airbus que côté Boeing, avec des ailes à grand élancement côté Airbus, et puis des ailes qu'ils appellent truss brace wing, avec des ailes à fort élancement et haubané côté Boeing. Donc, qui permettent avec un aile haute de pouvoir avoir un moteur intégrant des BPR un petit peu plus élevés. Donc, ce sont des choses qui sont travaillées côté avionneur.
Mais voilà, on s'est dit que si on était limité par principalement cette traînée, cette masse nacelle, est-ce qu'on pouvait augmenter le taux de dilution en s'en affranchissant? Et c'est pour ça que sont venus la famille des fans non carénés, donc pour pouvoir justement s'affranchir de cette pénalité liée à la masse et à la traînée de la nacelle. Et donc après, donc, l'enjeu va être de travailler les effets d'installation au niveau de l'avion pour arriver à tirer parti complètement des gains. Mais d'un point de vue voilà, thermodynamique, on peut augmenter de manière sensible le taux de dilution du moteur sans prendre la pénalité des carters qui sont autour et sans exploser les pertes liées aux autres composantes de rendement du moteur. Donc, c'est quelque chose du coup que l'on a travaillé de manière assez forte. Donc, c'était la première génération qu'on a appelée Open Rotor, qui est présentée ici et qui date, en fait, les premières idées datent des années 70-80. Donc, dans les années 80, a été développé un moteur déjà en partenariat entre Generatric et Snecma qui s'appelait le G36, qui développait 11 tonnes de poussée, qui était un moteur en entraînement direct, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réducteur à l'intérieur de ce moteur. Deux hélices contrarotatives placées à l'arrière du moteur et des essais au sol en 87, des essais en vol en 88, une présentation à Farnborough en 88 également, et qui permettait des gains très importants par rapport à la génération CFM56 qui était développée à l'époque, et on annonçait 25% de réduction de consommation par rapport à cette génération, ce qui était c'était une rupture déjà à l'époque par rapport au CFM56, qui lui-même était une rupture par rapport au JT8. Mais on a rencontré sur ce développement des problèmes d'acoustique et des problèmes dynamiques de cette machine qui vibrait pour beaucoup et qui transmettait une partie de ces vibrations à l'avion. Dans les années 2010, on a repris le concept dans le cadre du programme européen Clean Sky avec nos partenaires, donc en particulier Avio Aero et GKN, mais aussi Leonardo pour la nacelle. Et on a créé un concept d'open rotor avec cette fois-ci un réducteur qui était derrière le générateur de gaz et qui entraînait, donc qui donnait la puissance à deux hélices contrarotatives qui étaient elles-mêmes placées à l'arrière du moteur. Donc, on a fort de notre expérience avec le LIP, on a utilisé des matériaux composites donc la même caractéristique, donc ce qu'on appelle les 3D RTM, pour avoir des aubes de grand diamètre, et conçu ce moteur et réalisé la démonstration de performance du moteur à Istres en 2017. Et donc, ça s'est très bien passé. On a réglé très facilement, très bien nos problèmes dynamiques. Donc, on l'a conçu pour ça. Et on a également beaucoup travaillé l'acoustique de ce moteur. Et on a réussi à démontrer qu'on avait des gains attendus en termes de consommation carburant de 30% par rapport à la génération CFM56 et 15% par rapport à la génération LIP, avec un niveau acoustique qui était équivalent à celui d'un moteur LIP. Donc, un gain qui était assez prometteur. Alors, je vais vous faire. Donc, on a travaillé cette technologie-là de moteur. On avait aussi réalisé auparavant des essais d'ingestion, parce que l'objectif, comme nous sommes avec une hélice qui est libre et sans carter, il faut que l'aube tienne à un certain nombre d'événements qui peuvent se passer en service, notamment la gestion de corps étrangers et d'oiseaux. Donc, vous voyez ici donc, une ingestion de l'IF5 sur une pale, et donc on voit la pale se déformer, mais ne pas avoir de déformation permanente, donc capable complètement d'encaisser ce type d'événement. On a également caractérisé en soufflerie l'acoustique de ce moteur. Et donc là, je vais vous proposer de l'écouter. Ce moteur, donc comparé à un CFM56.
Alors, c'est un bruit reconstitué à partir des mesures que l'on a pu faire en soufflerie, comparées entre les deux types de machines pendant une phase de survol. On constate qu'on est sur une acoustique qui est assez différente. On a un niveau qui est plus faible. Alors, c'était un CFM56. Donc, si on le comparait par rapport à un LIP, un moteur LIP, on aurait un niveau équivalent en termes de niveau décibel. En revanche, on n'a pas les mêmes fréquences. Et on sent réellement, puisque le LIS tourne beaucoup moins vite, donc la fan tourne moins vite, on a des fréquences qui sont plus basses avec un open rotor que l'on peut en avoir avec un turboréacteur classique. Donc la question était de savoir si ces fréquences sont admissibles ou pas à l'oreille humaine, et est-ce qu'elles ne sont pas gênantes. Donc on a fait écouter à un panel d'une centaine de personnes ces bruits pour savoir si c'est un bruit qui les dérangeait ou pas, et donc on a eu des résultats qui étaient très positifs en termes d'écoute. Donc on n'a pas eu de réaction en tout cas négative sur le bruit et la gêne occasionnée par ce bruit. Voilà, donc c'est... Jérôme, pardon si j'interviens, on n'a pas entendu le bruit. Hein, ah, désolé. Pendant le passage. Bon, mais donc vous me croirez sur parole, du coup. Oui, d'accord. Voilà, désolé. Non, mais je le signale parce que je n'ai pas été le seul d'accord, à être d'accord. Bon, mais écoutez, désolé, c'est passé très bien sur mon PC, mais c'est pas arrivé jusqu'à vous. D'accord, très bien. Bon. C'est l'inconvénient de ne pas être en salle. Voilà, donc désolé. Donc la question qui s'est posée à la suite de cette démonstration open rotor, c'est l'installation du moteur sur l'avion. Donc cet open rotor avec deux hélices contrarotatives à l'arrière du moteur n'était installable qu'en position arrière sur le fuselage, et posait un certain nombre de questions sur la notion de famille autour de la, par Airbus et Boeing principalement, donc autour de la 321 et du 737. Et donc, l'installation arrière nécessite un plan d'aile qui va être un petit peu décalé sur l'arrière pour compenser la masse à l'arrière, et une masse donc pour l'équilibrer qui rend un peu plus difficile l'ajout de tronçon par rapport au plan d'aile tel qu'il est aujourd'hui si on veut continuer à l'équilibrer. Donc, du coup, ils nous ont demandé de réfléchir à ce qu'est-ce qu'on ne peut pas voir comme architecture possible sous aile. Et donc est venu deux types de machines. Donc une machine contrarotative où on plaçait les moteurs de l'arrière vers l'avant, donc la doublée d'hélice contrarotative à l'avant, et un moteur un peu plus simple d'architecture avec une seule hélice qui tourne et un calage de pas derrière qui ne tourne pas, mais avec des aubes qui permettent de s'adapter justement au calage de pas de l'hélice devant, et qui permet de redresser le flux comme on le fait sur un turboréacteur classique qui a une nacelle, mais sans nacelle autour. Et donc, c'est ce concept-là que l'on a cherché à travailler et à pousser de façon à pouvoir offrir un petit peu plus de possibilités aux avionneurs pour installer ce type d'architecture et tirer parti donc des gains que l'on a pu démontrer sur l'Open Rotor en 2017. Et c'est ce qui a fait l'objet justement de ce programme RISE qui a été lancé en partenariat donc entre GE et Safran au sein de CFM en juin 2021, donc le 14 juin à Paris. Et donc RISE est un programme d'acquisition de technologies. Donc, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, parce que on a cette Open Fan qui fait partie de ce programme RISE, mais il couvre un ensemble beaucoup plus large de technologies, qui va du moteur non caréné avec le champion qui est ici à l'écran, jusqu'au moteur caréné, pour savoir jusqu'où, justement, en fonction des besoins d'avionneurs, on pourrait pousser l'ensemble des technologies dans leurs limites et obtenir le maximum de potentiel de gain de en réduction de carburant et réduction des émissions de CO2. Donc, ce programme RISE, on va regarder le moteur champion. Donc, ce moteur champion qui tourne ici à l'écran, sa cible est de gagner 20% donc d'émissions de CO2 par rapport à la génération d'aujourd'hui. Ce qui représente 20% de consommation carburant. Donc, ce gain, il est réalisé en grande partie justement par cette augmentation du BPR et donc par cette grande hélice qui est à l'avant du moteur. Donc, par rapport à un moteur caréné, donc que l'on voit aujourd'hui là avec un LIP,
on va faire un saut significatif et on va carrément voilà, enlever la nacelle et augmenter, et donc se libérer de cette nacelle pour pouvoir mettre en place un fan de grand diamètre, donc avec un système de d'aube derrière, d'aubage fixe derrière qui redresse le fluide et qui est à calage variable. Alors évidemment, pour gagner au maximum, on va chercher à augmenter le plus possible le diamètre de ce fan. Et donc, on va doubler, pour avoir le maximum de performance, le diamètre du fan par rapport au moteur LIP. Donc, ça, voilà, ça, ce qui nous permet d'avoir des gains importants, mais qu'il va falloir travailler en termes d'intégration ensuite à l'avion. Donc, ce fan, en termes de technologie, donc, que l'on voit apparaître ici, donc ce grand fan de diamètre 4 mètres, il va se composer donc d'aubes composites. Vu les vitesses et vu le diamètre, ces aubes doivent être dégivrées, avoir la possibilité d'être dégivrées. On va travailler également des aubes que l'on va appeler safe life, c'est-à-dire qu'avec la, pour lesquelles on va travailler la potentialité de ne pas, le fait de ne pas casser pendant en fonctionnement, donc de pouvoir détecter les ruptures potentielles et de pouvoir les changer avant qu'elles cassent. Donc il va y avoir un monitoring permanent de ces aubes. On va, ces aubes vont prendre deux fonctions. Donc la fonction de propulsion en jet direct, donc pour pouvoir faire la poussée du moteur, mais également la fonction de jet inverse, et vont être capables de fonctionner dans les deux sens de façon à freiner l'avion à l'atterrissage. Ce qui va nous devoir travailler donc des calages de pas relativement importants, donc de façon à ce que l'aube puisse fonctionner dans les deux sens. Et donc derrière l'aubage, comme je disais tout à l'heure, nous avions des redresseurs variables qui permettront justement d'adapter le flux à ces différentes positions de l'hélice qui est à l'avant du moteur. Ce positionnement également de ces redresseurs est optimisé de façon à avoir une acoustique qui sera réduite. Donc le bruit est canalisé autour du moteur et avec des niveaux relativement bas, donc on évitera les effets, on optimise les effets de choc, notamment par le positionnement de ces redresseurs qu'on appelle OGV. Ensuite, si on regarde un petit peu plus à l'intérieur du moteur, donc on va trouver, donc pour pouvoir entraîner cette grande hélice à l'avant, donc qui va être la responsable première de la poussée du moteur, on va avoir un réducteur qui va transmettre les efforts qui viennent de la turbine basse pression rapide qui va être à l'arrière du moteur. Et donc cette turbine rapide basse pression, elle va être alimentée par un cœur haute pression à technologie avancée. C'est là que reviennent les technologies que l'on éprouve aujourd'hui dans le militaire et qui vont se retrouver au cœur de cette machine-là, avec voilà, des systèmes de récupération d'énergie que l'on aimerait pouvoir également développer sur ce type d'architecture, donc d'énergie de gaz chaud qui sont à l'arrière du moteur, de façon à pouvoir encore optimiser les performances de ce cœur haute pression. Donc le cœur haute pression qui va entraîner la turbine basse pression, une basse pression qui transmet sa puissance au réducteur et du réducteur ensuite au fan qui est à l'avant du moteur. On va également hybrider ce moteur. Et donc, on considère aujourd'hui, on va le voir un petit peu après, de l'hybridation interne à la turbomachine. Donc, on va mettre des générateurs sur le corps haute pression, des générateurs sur le corps basse pression, et on va répartir l'énergie dans les différentes phases de vol de l'avion pour prendre l'énergie d'un corps basse pression pour le mettre sur le corps haute pression. Donc, ça nous permettra de gagner un peu plus encore en consommation de carburant pendant certaines phases de vol. On va également travailler les carburants qui vont pouvoir être utilisés par ce moteur. Donc, en premier lieu, il va être natif pour être 100% carburant renouvelable.
Et on travaille également le fait qu'ils puissent accepter l'hydrogène comme carburant potentiel pour pouvoir émettre zéro CO2 sur les avions qui permettront justement d'avoir cette technologie. On travaille également toute une offre de support et services. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait que l'aubage était monitoré, mais il n'y aura pas que l'aubage fan qui sera monitoré. L'ensemble du moteur aura une surveillance permanente qui sera analysée par le moteur et transmise au sol également pour pouvoir avoir une meilleure maintenance et une prédiction des services accrue. Donc voilà, donc c'est un ensemble de technologies donc, qui va nous permettre, grâce à cette architecture innovante, grâce aux matériaux qui sont à l'intérieur, à l'hybridation que l'on va associer à ce moteur-là, au carburant alternatif que l'on va pouvoir faire brûler dans ce moteur-là, qui nous permettront, au travers de la phase d'acquisition de technologies, des essais sols, des essais vols que nous allons réaliser, de pouvoir proposer au milieu des années 2030 en rentrant en service donc pour économiser 20% de consommation carburant et d'émissions de CO2 sur cette voilà grâce à cette architecture. Donc il faut travailler l'intégration. Alors on peut le faire comme un open rotor à l'arrière, mais le gros gain de cette architecture là comme je le disais, c'est de pouvoir être mis sous aile, et donc sous aile haute ou sous une aile un peu plus conventionnelle, donc avec une aile qu'on appelle une aile de mouette, donc avec un dièdre en planture un petit peu plus élevé, mais qui permettrait ainsi de pouvoir être intégré sous aile sans avoir augmenté de manière drastique le train d'atterrissage. Donc, ce sont des sujets que l'on travaille avec nos deux avionneurs, et on est très contents de signer en milieu d'année dernière avec Airbus un partenariat qui nous amènerait à avoir des essais en vol au milieu de la décennie avec cet Open Fan monté sur un Airbus A380. On a également Boeing qui commence sur son architecture Truss Brace Wing à proposer cette possibilité d'utiliser des open fan, puisque cette fois-ci, comme on a une aile haute, on se prêterait assez facilement à l'intégration de ce type de moteur de grand diamètre. Donc les deux sont possibles. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à regarder sur une intégration avion? Donc là, j'ai passé le petit film que Airbus avait préparé justement pour cet accord que nous avons signé à l'été dernier. Donc, ce que l'on va chercher dans un premier temps, en termes d'effet d'installation, on va regarder justement si la performance que l'on voit au sol, on la retrouve au niveau du moteur avionné, donc en le regardant en vol. On va regarder également les effets aérodynamiques et donc de traînée induite entre le moteur, le pylône et l'aile. On va également tester la capacité à pouvoir faire de l'hybridation. Et enfin, on va regarder la partie intégration acoustique, et donc comment le bruit généré par le moteur se propage au niveau de l'avion et ce que l'on pourrait avoir comme bruit cabine donc au niveau du fuselage. Voilà ce que l'on pourrait espérer de ce type de technologie. Donc, ce type d'essai avec ce type d'essai en vol. Donc, on développe beaucoup de calculs, évidemment, pour pouvoir prédire cette aérodynamique installée du moteur. Donc là, c'est en configuration arrière avec des nouveaux outils, notamment ce qu'on appelle des codes de calcul LBM, Nathils-Boltzmann Method, qui nous permettent de faire des calculs avancés dans des temps qui restent encore acceptables, pour optimiser l'aérodynamique du moteur installé et son acoustique. On développe un grand ensemble de démonstrateurs. Donc aujourd'hui, on a à peu près 150 véhicules d'essai qui sont en passe de tourner. Et on a démarré, et c'est depuis hier, des essais en soufflerie, donc à Modane, de cette hélice de l'Open Fan, justement pour caractériser son aérodynamique et son acoustique.
Donc voilà le concept, mais ce n'est pas le seul concept que l'on avait, que l'on travaille. Donc c'est un ensemble de technologies. Et on s'est dit, est-ce que l'on peut tirer parti de cette technologie de moteur non caréné, avec ses aubes de grand diamètre, mais en mettant une petite nacelle autour. Et est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça peut donner avec une hélice capable d'avoir un entraînement en poussée jet direct, mais également qui reprendrait la reverse. Donc, ça permettrait de réduire la nacelle de moitié pour ne plus intégrer de reverse à la nacelle. Et donc, est-ce que c'est une technologie qui serait viable? Donc, c'est une technologie qui nous avait été inspirée par ce que faisaient nos amis du Sud-Ouest, qui s'appelait Turbo Meca à l'époque, donc Safran Helicopter Engines aujourd'hui. Ils avaient développé un moteur qui s'appelait l'Astafan dans les années 80, qui proposait cette technologie-là, d'augmenter le BPR avec des aubes à calage variable, une mini-nacelle, et entraînée par un corps haute pression et un réducteur entre les deux. Donc, on a regardé qu'est-ce que ça pouvait donner sur un avion court, moyen, courrier, si jamais voilà, le marché ne voulait pas d'architecture à moteur ouvert. Est-ce que ça pourrait être une alternative? Donc, on aurait un diamètre qui serait un petit peu plus bas, donc qui serait d'ordre de 3 mètres, une nacelle très courte, la même caractéristique en termes d'aube fan. Et le reste du moteur derrière se différencierait relativement peu. On trouve un réducteur qui, forcément, avec un rapport de réduction moins grand, puisqu'on a un fan de diamètre plus petit. Et puis, un corps haute pression, une turbine basse pression rapide qui serait de caractéristique, voilà, en tout cas en termes de technologie, équivalent à ce que l'on aurait sur l'open fan. Et donc, qui permettrait de présenter une alternative, mais évidemment avec moins de gains que ce que l'on pourrait avoir sur un open fan, mais et qui resterait légèrement caréné. Voilà, donc j'ai passé rapidement. Donc, on a fait des essais en soufflerie également de cette architecture-là pour montrer est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'on est capable d'avoir effectivement un jet direct et un jet inversé pendant cette phase de reverse avec une nacelle. Est-ce que c'est faisable et est-ce qu'on est capable, pendant la phase de reverse, de toujours alimenter le corps HP avec un jet qui fonctionne dans l'autre sens? Et donc, c'est ce qu'on a voulu vérifier pendant ces essais-là. Alors, désolé, le film est un petit peu long. Donc, ces essais qui ont été réalisés au DNW. Et donc, on devrait voir assez rapidement derrière. Voilà, ça va être là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie calcul aérodynamique qui me permettrait de démontrer qu'on est toujours capable d'alimenter le corps HP. Et on a fait donc ces essais en configuration isolée, mais on a également fait ces essais en configuration représentative installée avec un faux sol que vous voyez sur la partie gauche et puis une aile d'avion. C'était une aile d'A320, si je ne m'abuse, qui est positionnée voilà, à côté du moteur pour avoir un effet représentatif à la fois d'effet de sol et d'effet de l'aile autour. Et de regarder si avec cette installation-là, on pouvait toujours avoir une possibilité de reverse et on n'était pas gêné par l'ensemble de ce qui était autour du moteur. Et on a pu démontrer qu'effectivement, on était capable de fonctionner en jet direct et en jet inversé sans problème, tout en continuant à alimenter le corps HP. Voilà, donc c'est ce que montrent les petites images là. Donc on a la poussée, on a l'air qui, on voit par les petits fils de laine, voilà, qui part dans l'autre sens et qui permettent de montrer qu'on fonctionne en jet inversé. Voilà, je vais passer là-dessus. Donc, si je résume un petit peu en termes d'architecture, donc on aurait, si on montait à BPR 15 dans la famille des technologies qu'on développe au travers de RISE, la possibilité d'avoir un moteur caréné, on va dire architecture assez classique à BPR 15. Si on voulait augmenter le BPR, il faudrait pouvoir travailler cette nacelle. Donc, une première étape intermédiaire qui pourrait être d'enlever la reverse et de faire pousser cette reverse par le fan, c'est ce qu'on appelle le concept VPF, donc Variable Pitch Fan. Et si on veut s'affranchir complètement de cette nacelle et pouvoir augmenter et avoir un moteur champion en termes de consommation et d'émissions, aller sur ce concept d'open fan, ou unducted single fan en anglais, mais d'open fan, qui nous permettrait justement d'avoir un fan de grand diamètre sans nacelle et qui ferait le gain maximum. Et à chaque fois, pour chacun des concepts, par rapport à la génération LEAP aujourd'hui qui fait 2 mètres de diamètre, on augmente
le diamètre du moteur, donc là, 2,20 m, 3 m, 4 m. Voilà. Mais voilà, plus on va vers la droite, plus on gagne. Donc, on rajoute à ces technologies-là de l'électricité. Donc, j'ai passé relativement rapidement, mais bon, l'hybridation, je ne sais pas si vous êtes assez familier avec, mais si l'idée, c'est de rajouter des moteurs électriques au sein du moteur thermique. Mais les moteurs électriques, aujourd'hui, ont des puissances de l'ordre de 500 kW. Un moteur thermique, ça fait, on est dans la classe de la vingtaine de mégawatts. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de gains avec 500 kW sur une vingtaine de mégawatts en poussée directe, c'est peut être discutable, mais est-ce qu'on va travailler l'opérabilité en particulier du moteur dans des situations de vol un peu particulières qui nous permettraient de gagner un peu de consommation. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on présente aussi rapidement en disant que si on avait un A320 100% électrique, il faudrait travailler également les batteries parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous empêcherait de le propulser puisqu'il faudrait, même avec 1000 watt-heure par kilo, alors qu'aujourd'hui, on est à l'ordre de 200 watt-heure par kilo en termes d'état de l'art, même à 1000 watt-heure par kilo, il nous faudrait 170 tonnes de batterie. Donc, ça nous semble de la science-fiction d'imaginer un A320 100% électrique à court terme. Néanmoins, on peut utiliser une partie de cette technologie pour pouvoir améliorer le comportement du moteur. Donc, monter avec 600 kW, on devrait pouvoir arriver, on doit pouvoir, et on est convaincu qu'on peut le faire, améliorer sensiblement les performances du moteur. Et donc, en intégrant des générateurs sur les parties haute pression et basse pression, prendre de l'énergie du basse pression pour le mettre sur le haute pression, et notamment pendant les phases de descente, pouvoir réduire sensiblement les niveaux de ralenti du moteur et donc la consommation de carburant associée à ces phases de descente. Donc, ce sont des choses que l'on teste aujourd'hui au travers de spécimens un peu plus petits. Donc, on a commencé par un moteur de classe. Un turboréacteur, mais tout petit, qui est le DGN 380, qui était autrefois développé par Prys Induction, aujourd'hui qui est porté par Akira Technologies. Et on a fait toutes les phases de démonstration d'hybridation, donc haute pression, sur le corps haute pression, mixé haute pression, basse pression. Et on va, donc de manière séparée en 2022, on va les coupler avec un système électronique pour pouvoir gérer complètement la régulation de ce moteur avec des moteurs électriques en 2023. On se prépare à tourner à échelle 1 cette fois-ci notre moteur d'avion d'affaires qui est le Silvercrest, qui est un nouveau, qui est repassé en R&T, mais avec une hybridation haute pression. Et donc, dans le mois qui vient, on devrait avoir, dans les deux mois qui viennent, on va dire, le premier essai de moteur échelle 1 avec une hybridation haute pression. Et on travaillera ensuite le passage en 2025 à un couplage haute pression, basse pression, comme on l'a fait sur le petit moteur des gènes. Donc, on monte de ce fait en technologie, on explore à différentes échelles, pas à pas, ce que l'énergie électrique peut apporter à un moteur thermique. Voilà, et puis pour terminer, je vais aller assez rapidement sur la partie nouveau carburant, puisqu'elle est générique et elle n'est pas forcément différenciée, quelles que soient les architectures, puisque ça, c'est quelque chose que l'on trouve un petit peu sur toutes les familles de moteurs. Mais bon, pour dire que le carburant fossile tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a beaucoup d'avantages et il faut pouvoir le remplacer par quelque chose d'équivalent, et donc équivalent renouvelable que l'on trouve soit sur deux caractéristiques, donc ce qu'on appelle les drop-in, donc les carburants qui peuvent remplacer en lieu et place avec les mêmes caractéristiques que le carburant fossile actuel, ou non drop-in, pour lequel il va falloir adapter le moteur et l'avion avec le non-drop-in ultime, qui est l'hydrogène. Voilà, donc là, je vais passer assez vite parce que je pense que c'est un petit peu moins l'objet de la présentation aujourd'hui, puis je vois que j'ai terminé l'heure. Donc, si vous avez des questions sur la partie carburant, je serai heureux d'y répondre. Mais voilà, je propose qu'on s'arrête plutôt là et qu'on passe plutôt à la partie conclusion. Et donc, la partie conclusion, pour arriver justement à atteindre cet objectif, il va falloir cumuler un certain nombre de gains. Donc, des travaux sur la partie haute pression
du moteur, donc la partie chaude du moteur, et donc c'est porté par à la fois des matériaux avancés, des composites également à matrice céramique, enfin tout ce qui va permettre de monter très fortement en température. Et donc ça, ce sont plutôt la partie, les moteurs militaires qui continuent de porter cette technologie-là. La partie basse pression et les architectures en rupture avec des matériaux avancés également, donc l'utilisation beaucoup de composites pour pouvoir faire ces fans de très grand diamètre. Un réducteur, des parties BP basses qui vont tourner un peu plus vite qu'au niveau de la turbine que ce qu'on connaît aujourd'hui. L'utilisation d'électricité à l'intérieur du moteur, la compatibilité avec les SAF. Et donc, on a des compétences qu'on utilisait classiquement dans les moteurs, qui étaient l'aérodynamique, la mécanique, l'aérothermique, la combustion, mais qui viennent s'enrichir de plus en plus d'électricité, de liens avec l'électronique et de surveillance du moteur, donc avec une partie traitement embarquée qui va être de plus en plus importante demain, avec des moteurs qui seront de plus en plus intelligents et qui vont s'adapter un petit peu à leur environnement et ce que le pilote ou la compagnie voudra qu'ils fassent. Et puis l'éco-design qui vient également de plus en plus dans le jeu pour avoir une réflexion globale sur l'ensemble du cycle de vie. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est ce que je mets un petit peu en conclusion, c'est que la réduction de consommation des moteurs, qui était le driver des 50 dernières années, sera encore le driver des 20-30 prochaines années pour arriver à notre objectif de décarboner l'aviation à horizon 2050. Voilà, je propose de m'arrêter là, si ça vous convient, en espérant ne pas avoir été trop long. Très bien, mais merci Jérôme. On a déjà reçu des félicitations sur cet exposé très clair et superbe de plusieurs auditeurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai relevé un certain nombre de questions d'ores et déjà. Je vais vous prévenir à vous tous. Nous sommes au nombre 188. La cour est pleine, je vous signale, avec la liste des questions que j'ai déjà à ramener. Donc, je vais essayer de les résumer. Alors, il y a une série de questions autour du concept du moteur sans carénage extérieur, sans carénage de fan, ce qui fait poser des questions. Pourquoi dans le passé existait-il des carénages? Et deuxièmement, sans carénage, quels sont les risques? Bon, vous avez dit deux mots, mais c'est à vous de le dire. Moi, comme c'était un peu mon métier, je sais, mais c'est à vous de nous dire quel est votre point de vue et quels sont les risques induits, en particulier sur la rétention des aubes de fan. Vous avez parlé de Safe Life. Puis après, des effets de choc à l'oiseau. Et enfin, les procédés de dégivrage des aubes de fan. Voilà, tout ça, ça tourne autour de ce concept, peut-être de risques associés à l'absence de carénage. D'accord. Alors, au départ, donc, comme je l'ai expliqué, les moteurs étaient des moteurs carénés issus des technologies militaires. Donc, on avait un tuyau, et donc si on avait un tuyau, c'est parce qu'on cherchait à optimiser l'aérodynamique de l'ensemble des étages de compression, et avec donc en limitant le jeu entre la partie carter et l'aube qui tourne autour de, enfin qui permet d'arriver à cette compression. Donc on va essayer de réduire au maximum justement le jeu entre les deux de façon à avoir le maximum de performance aérodynamique. Et donc, on a travaillé dans cet espace connu et on a cherché à augmenter le rendement du premier étage, donc du fan. Et donc, on est resté caréné. L'avantage du carénage, donc, c'est que ça permet de mettre un certain nombre de traitements acoustiques autour du moteur. Donc, on va essayer de piéger le bruit qui est émis par le moteur, en particulier par la soufflante, donc qui pour les moteurs d'aujourd'hui tourne relativement vite, et donc on va piéger ce bruit par des dispositifs qui sont des matériaux acoustiques qui sont absorbants, qui sont dans la carte dans
justement dans ce carter, dans cette nacelle qui est autour du moteur. On va également réguler l'entrée d'air qui rentre à l'intérieur du moteur, donc de façon à ce que le fan voit un air qui est toujours à peu près dans les mêmes conditions de tranquillité, quelle que soit la trajectoire que prend l'avion, et donc l'incidence que prend l'avion, on va avoir un air qui va être avec une distorsion qui va être réduite parce que devant le fan, on a un morceau de nacelle qu'on appelle l'entrée d'air et qui va canaliser le flux d'air. Et puis le troisième point, l'avantage d'avoir un carter autour du moteur, c'est que lorsqu'on a une perte d'opfan, on a une rétention et donc le carter qui est autour joue son rôle de protection de l'avion et donc aucun morceau ne doit sortir, ne sort du moteur grâce à cette protection. Alors, quand on enlève justement ce carénage autour du moteur et donc le carter et la nacelle, donc on n'a plus l'opportunité justement d'avoir ces gains qui sont amenés justement par cette fonction. Et donc, il faut travailler à s'en affranchir. Pour l'acoustique, on travaille beaucoup l'aérodynamique de l'aubage et l'interaction entre cet aubage et l'environnement qui est autour. Donc, on a fait beaucoup de travaux déjà avec l'Open Rotor dans ce sens, où on avait fait 4 itérations justement d'aubage pour réduire leur empreinte acoustique et leur performance aérodynamique. Donc on couple les deux et on était assez content du résultat. C'était assez bluffant quand on avait testé ce moteur-là à Istres au sol, vu effectivement et entendu que le bruit radialement du moteur était relativement faible. C'est-à-dire qu'en fait on a réussi à canaliser le bruit dans l'écoulement aérodynamique du moteur. Donc ça c'était voilà et donc on reproduit sur l'open fan cette logique là et comme on est je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi mais on est sur des fréquences on tourne moins vite donc on est sur des fréquences un peu plus basses donc on travaille à ce que ces fréquences restent admissibles par l'ensemble des personnes mais on peut pas compter sur un traitement de la nacelle pour amortir ou une moteur donc c'est l'aérodynamique qui est travaillée pour ça. Le deuxième point en termes de canalisation et de tranquillisation de l'air. Donc là, c'est également l'aérodynamique qui va être mise à contribution. Donc on va devoir s'adapter aux différentes conditions de distorsion que le moteur va pouvoir voir venant de l'avion et devant l'incidence notamment. Donc là, c'est pareil, on a nos outils aérodynamiques qui ont beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années et qui nous permettent aujourd'hui d'envisager ce type de solution. Et puis le troisième point sur la partie perte d'aube, et donc incident que l'on pourrait avoir au niveau de l'aubage. Donc on change de technologie, donc on l'a déjà fait avec le moteur LEAP. Changer de technologie, on passe de l'aube métallique à l'aube composite. Et cette aube composite permet de pouvoir réduire les risques de perte d'aube. Donc on a commencé avec le LEAP à avoir une logique de certification dans laquelle on considérait que l'ensemble de l'aube ne pouvait pas partir quelque part lorsqu'on lâchait l'aube. Donc le pied notamment pouvait rester dans l'aubage, pouvait rester dans le disque et ne partait jamais. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on conçoit cette aube composite de façon à ce qu'elle ne, à ce qu'il n'y ait pas d'événements dramatiques. Et on va monitorer cette aube, on va faire en sorte qu'elle tienne à l'ensemble des oiseaux possible puisqu'on a un grand diamètre fan, donc on va la rendre résistante aux oiseaux très lourds et on va regarder et détecter les différences de comportement matériaux qui sont à l'intérieur de l'aubage de façon à pouvoir la monitorer en permanence. Voilà. On doit travailler également la partie certification avec les autorités de façon à pouvoir autoriser ce type de machine à voler, puisque aujourd'hui il demande un essai de perte d'aube, donc et que le moteur en lui-même puisse retenir l'aube s'il n'y a pas de carter retour, ça semble compliqué. Donc on va démontrer que notre aube ne peut pas lâcher, voilà, et que si voilà
Et on travaille également à l'avionneur pour pouvoir, avec l'avionneur pour pouvoir regarder les protections éventuelles que l'on aurait à mettre sur l'avion, de façon à pouvoir, même si l'aube n'est pas conçue pour ça, si jamais ça devait arriver, qu'il n'y ait pas de problématique au niveau des passagers. Voilà, si je peux à peu près très bien résumer. Alors, il y a une autre série de questions qui est un peu de principe et qui provient de l'idée, est-ce qu'on ne revient pas au concept de l'efficacité des turbopropulseurs? Alors, oui et non. En fait, c'est plutôt un turbofane sans nacelle qu'un turbopropulseur. Maintenant, c'est vrai qu'un turbopropulseur a déjà des BPR relativement élevés, donc des taux de dilution élevés. Donc, on retrouve un petit peu l'esprit d'un turbofan avec on mixe les deux mondes, le monde du turbofan et le monde du turboprop, avec cette hélice à l'avant. Mais le turbofan n'a pas de redresseur derrière variable, il a une hélice simple. Et donc, on va mixer vraiment les deux mondes. Et on va permettre également à l'avion de voler à des vitesses un peu plus élevées, puisque notre concept, il peut aller jusqu'à des Mach en 0,75 à 0,8, donc ce qu'on a du mal à faire avec un turboprop, et il va monter sur des altitudes qui sont des altitudes des avions d'aujourd'hui. Donc on va avoir une croisière à 36 000 pieds, de la même façon qu'avec les Airbus A320 ou la famille Coron courrier actuel. Donc, on va avoir les mêmes, des caractéristiques similaires en termes d'emploi par rapport à un turbofan, donc qui seront plus élevés que celles d'un turboprop aujourd'hui, et avec une acoustique qui sera également bien meilleure qu'un turboprop. Donc, je pense qu'on pourra surtout penser à des applications sur des avions de différentes tailles. Lorsqu'on va monter à des propulsions pour des avions du type A350, est-ce que vous avez extrapolé le diamètre qui serait nécessaire pour la poussée équivalente? Alors, pour l'instant, non. On est plutôt resté dans la gamme, effectivement, des courts moyens courriers sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc, on est monté jusqu'à ce que serait un 321 XLR quelque part, mais on n'est pas allé chercher pour l'instant aller beaucoup, beaucoup au-delà. Donc, tout ce qui va être au-dessus de 50 000 livres de poussée, on n'a pas cherché pour l'instant à regarder. Bon, c'est vrai que ça demanderait d'augmenter encore plus le diamètre du fan. Donc, ça se travaillera en termes de technologie et voir si ça a un sens. Mais pour l'instant, pour ce type de famille, voilà, on était plutôt à rester sur du caréné avec notre partenaire General Electric, donc c'est le G9X qui est le dernier moteur qui va rentrer en service dans une technologie classique, caréné. Bien, on arrive à 19h30, 31, donc on va laisser une dernière question. Il y a un monsieur Jean-Michel qui a levé la main, donc on va lui donner la parole. Jean-Michel Fourtanier, oui. Ancien directeur financier d'Airbus France et membre de l'Académie. Je fais partie de ceux qui ont posé la question sur la comparaison avec le turboprop. Et il y a un point sur lequel on a tendance à donner l'avantage au RISE par rapport au turboprop, c'est effectivement la vitesse. Mais la vitesse, sincèrement, dans le monde de demain, et même celui d'aujourd'hui, quand on prend la durée d'un déplacement de son domicile jusqu'à son point d'arrivée, la vitesse de l'avion n'est pas forcément un élément de décision. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'argument « ça va plus vite », c'est vrai que culturellement, effectivement, encore, on pense que parce que l'avion va vite, il vaut mieux le préférer à d'autres moyens de transport, mais je ne suis pas sûr que ça durera autant que les impôts. En revanche, sur l'affaire de l'altitude, est-ce que vous pouvez être plus précis sur l'avantage du RISE par rapport à un turboprop? Justement, en fait, comme c'est une architecture qui est plus proche d'un turbofan que d'un turboprop,
de par l'intégration de l'ensemble de ces éléments, en fait, derrière le, il y a d'un fan caréné, enfin d'un turbo fan caréné, il n'y a que le fan qui change. Donc tout ce qui est derrière le moteur est conçu pour fonctionner à des altitudes élevées. Et le fan, on fait en sorte qu'il fonctionne aérodynamiquement à ces altitudes-là. Donc il est conçu pour fonctionner dans les altitudes d'un turboréacteur classique. Je suis d'accord pour l'altitude, pour le Mach. Je dis simplement qu'on offre avec cette architecture-là la possibilité de monter sur des Mach supérieurs à 0,75. Maintenant, si l'avionneur décide d'avoir un avion avec une aile laminaire qui autoriserait des Mach, maximum à 0,7, 0,75, le moteur s'y prête très bien. Il y a aucun souci là-dessus et il sera optimisé pour ce type de performance. Disons que si on augmente le nombre de Mach, on va se retrouver avec la difficulté de pouvoir gérer l'aérodynamique de ce fan ouvert. Et donc, un moteur qui volerait un petit peu, un avion qui vole un petit peu moins vite, avantage ce type d'architecture par rapport à une architecture carénée. Un avion qui volerait plus vite, on chercherait à nouveau la vitesse à 0,85, 0,90, serait un peu plus compliqué à gérer pour ce type d'architecture ouverte. Merci. Monsieur Garcia, on ne vous entend pas. Alain, ton micro. Le micro, voilà. Non, je voulais, vous allez vous y attendre, comme il est 19h34, c'est bien 35. On va mettre une fin à cette conférence. Je fais remarquer qu'il a été écrit sur les chats que certains avaient beaucoup apprécié la remise en place d'une conférence en visioconférence, parce que ça permet donc de un plus grand nombre de participer. Nous avons été jusqu'à 214 participants, ce qui est une performance quand même remarquable. Alors, il est évident que pour les questions, on est un petit peu plus contraint. On n'aura pas des réponses à toutes les questions qui étaient posées, mais j'ai essayé de rassembler en questions de synthèse un peu de plusieurs questions. On m'a demandé également si le fait d'augmenter le taux de dilution, le bypass ratio, donc n'allait pas augmenter les traînées de condensation. J'ai répondu directement, moi, non. Que c'est, au contraire, d'ailleurs, que c'était bénéficiaire. J'ai apporté quelques réponses directes à certaines questions qui ont été posées, en me disant qu'on n'avait pas besoin de solliciter Jérôme. Bon, ben il me reste, Jérôme, à vous féliciter et à vous remercier beaucoup au nom de l'Académie et de tous les participants pour cet exposé. Évidemment, on a recommencé dès le début pour savoir ce qu'était un réacteur avec le ballon baudruche. Bon, je pense que beaucoup nous étions déjà au courant, mais enfin, on va avoir beaucoup de monde qui pas forcément que des spécialistes comme les membres de l'Académie. je préfère toujours revenir un petit peu aux bases, oui. Un petit peu du système. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous n'aviez pas utilisé le terme réaction, alors que c'est en fait ce qu'on a commencé à apprendre, les moteurs à réaction. Absolument, mais bon, voilà, les moteurs à réaction sont toujours en vigueur dans le monde militaire, mais. Bon, et puis alors, après, il y a deux ou trois questions qui sont urgentes et qui concernent la parution donc sur le site de cette présentation, puis que certains ont hâte de pouvoir les lire, peut-être les reproduire pour transmettre à d'autres le contenu. Et donc, la question qui était posée, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en deux temps la partie de retransmission de la conférence, d'une part les planches, et puis d'autre part après l'ensemble de la conférence avec les discussions. Voilà la question qui s'est posée, Jérôme. Donc c'est dans vos mains. Voilà, pour avoir un matériel disponible, donc il faut que je rapidement la partie filmée. Donc j'ai besoin d'avoir comme classiquement l'aval de la direction de la communication pour pouvoir avoir un matériel mis à disposition. Donc voilà, on va essayer de le faire assez rapidement pour éviter les frustrations
Voilà, mais on va vous proposer quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être, si ce n'est pas trop vous demander, vous pouvez le faire en deux temps, c'est montrer la présentation en planche et bon, peut-être éliminer ce qu'il faut éliminer et nous le faire passer, on le met sur le site. Et après, il y a la deuxième partie où c'est la conférence complète avec votre exposé, les questions-réponses, etc., qui pourra prendre à ce moment-là quelques jours de plus. D'accord. De toute façon, moi, je les vois demain, donc je vais leur en parler dès demain. Voilà, super. Et bien, voilà. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier les participants pour votre sagesse, parce que finalement, nous n'avons pas eu trop d'interruptions, effectivement, pratiquement pas. Et non, merci. Et puis, donc, vous remercions pour votre invitation également. Et donc, c'était un plaisir de partager avec vous notre passion autour de ces produits. Un petit bémol. Même si on comprend que les planches sont rédigées en anglais, les quantités exprimées en inches sont un peu gênantes et le métrique pourrait s'appliquer également. Oui. Bon, maintenant, moi, j'ai habitué à faire la traduction simultanée, mais il n'y a pas de problème. Il y a eu de la traduction dans le chat, sur les diamètres en particulier. Le système international est quand même utile. Oui, mais bon, ça, c'est le partenariat américain qui nous force à parler en inch. Et oui, mais pourtant nos collègues britanniques se sont mis quand même au système métrique, système international. Bon. OK, merci à vous tous. Merci beaucoup bonne pour soirée, cette conférence. À vous tous. Voilà. Et merci beaucoup. Et à bientôt. Au dernier mardi de février pour une autre conférence. Le 28. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Bonini. Au revoir.